Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les aventures de Kirby dans Team Kirby Clash Deluxe. Et comme les précédentes vidéos, nous allons aller faire des petits combats avec vos Kirby. Et je vais tout de suite aller chercher dans les voyageurs solitaires, vos Kirby. En espérant que les 3 Kirby qui soient sélectionnés fassent partie de vos Kirby. Alors, j'ai pas encore tous les noms des Kirby. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires avec les noms que vous utilisez. Et ici, j'ai encore Totof, Raphaël et Léon. Alors, Léon, c'est la première fois que je le croise. Je ne pense pas qu'il fasse partie des abonnés. Si je me trompe, dites-le moi. Si c'est un de vos Kirby, dites-moi que c'est le vôtre. Et voilà. Je vais encore me connecter une fois sur internet pour aller chercher encore 3 autres voyageurs solitaires pour avoir un petit peu plus de choix et pouvoir faire un peu plus de combats. Et bien nous retrouvons Matman 2004, encore un abonné. On a Loki, encore un abonné. Et Flip. Alors Flip, je ne sais pas, c'est la première fois qu'il est sélectionné. Donc si ce Kirby appartient à quelqu'un, eh bien n'hésite pas à mettre un petit commentaire, comme ça je pourrai savoir qu'il est un abonné. Donc voilà. Et rencontrer au moins 100 voyageurs, eh bien c'est fait, et j'ai gagné 10 pommes joyaux. C'est parfait. Donc maintenant on va passer au combat. Et on va aller se faire quelques petits combats sympathiques pour faire encore de l'XP. Et bien sûr, essayer de vous proposer des vidéos avec tous vos Kirby. Donc voilà. Alors, qui je n'ai pas encore utilisé, celui-ci, Léon. Je vais utiliser Léon. Et je vais utiliser un autre que je n'ai pas encore utilisé. Celui-ci, tiens. Voilà. Alors, on est 3 héros à l'épée et un roi des rayons. Je pense que c'est pas mal. Et on va partir là-dessus. Alors si vous aimez toujours ces vidéos avec vos Kirby, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, ça serait super cool. Et n'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Si vous avez des amis qui jouent à Team Kirby Clash Deluxe, ça peut-être leur faire plaisir. Allez! On essaye de le faire rapidement. Aïe 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 aïe. Allez, un petit Kirby qui vient m'aider, ça c'est cool. Voilà, il nous faut tous les fragments maintenant. Allez, on y est presque. Est-ce qu'on va avoir besoin de 4 fragments ? On les a tous de toute façon, et normalement je pense qu'avec le petit bonus ici, on le bat directement. Parce que nos Kirby sont assez forts. Et voilà, 41 000 XP, 41 000 de dégâts, c'est pas de l'XP, c'est des dégâts. Et voilà, ça c'est fait. Et c'est pas mal le... 1152 XP, bon c'est pas terrible comme XP, mais c'est toujours ça de prix. Et il nous manque 8366 XP pour passer au niveau 39. Alors, choix de la zone. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va aller dans les cieux. Et ça fait longtemps qu'on n'a plus fait ces deux-là, tiens. On va essayer... celui-ci, toujours avec les mêmes, oui. Après je changerai et je prendrai 3 autres. Et voilà. Alors celui-ci était pas si simple que ça parce que il est souvent
dans les airs. Alors, on les saute dessus un maximum de fois. Alors, il est où? Il n'est pas facile, hein, parce que il est souvent en hauteur. Il y a quasiment que moi qui fais le travail là. Voilà, là on est à la moitié. Ça c'est bien. Voilà. Aïe 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 aïe, je suis encore à terre. Ça c'est pas cool. Il nous reste 2 minutes, donc à mon avis ça devrait le faire. Allez, on frappe les petits là. Il s'est séparé en 4. C'est moins facile. Voilà, on a les fragments. Du moins une partie. Allez, il faut tous prendre des fragments. Je pense que ça va le faire. Il nous reste 1 minute 30. On y est presque. Et... allez. Et on y est. Voilà. Et on l'a battu sans même avoir le bonus. Et ça, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est fait. Un peu plus facile que la première fois qu'on l'a battu. Et c'est une médaille d'argent. C'est pas trop mal, mais je pense qu'il va falloir des armes bien plus puissantes et être à un niveau un peu plus élevé pour pouvoir le battre beaucoup plus rapidement. Alors maintenant. Maintenant. Passons aux choses sérieuses. Nous allons débloquer ici l'Indien EX. Et pourquoi pas essayer de le faire. Alors. Il va me falloir pas mal d'aide. Hein. Il va me falloir des bons petits Kirby et je pense que là c'est une assez bonne équipe. On va essayer. On va tenter l'India en EX. Et c'est parti. Voilà. C'est la première fois qu'on se fait un boss aussi compliqué. On a 3 minutes 30. Et c'est parti. Il est très joli. Il est pas mal comme boss. Et je suis déjà en danger. Voilà, ça c'est fait. Oh là 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 là. Ça promet. Et on reconnaît en arrière-plan une petite musique de Kirby, un peu remasterisée, mais qui est assez sympa. Wow. Il va être chaud. Très très difficile. Et je suis déjà en danger. Oh là là. J'ai à peine le temps de le toucher que... il fait vraiment mal.
Allez. Alors, là, on est plus ou moins à la moitié. On a mis 1 minute 10 pour... Une minute 10 pour faire la moitié. Ouh, on est deux à être à terre. Ça va être chaud. Allez, un petit peu d'aide, s'il vous plaît. Vite, 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 vite. Il me faut de l'aide. Allez, maintenant il nous faut les fragments. Il nous faut absolument ces fragments. Non, 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 non. C'est pas ça qu'il me fallait. 1 minute 30. Bon. Allez les gars, on y va. Hein. Il reste 1 minute 20. Ouh. Eh bien. Eh bien, eh bien, eh bien. Pas facile du tout. Il attaque vraiment beaucoup. Il va me falloir une autre armure. Parce que l'armure, je l'avais pas changée. Allez, les gars. Je suis encore à terre. Il ne reste que 45 secondes. On est trois à être à terre, donc voilà. Allez les gars, il faut prendre les fragments. Et ça va pas aller comme ça va pas aller. Allez, allez, allez. Quelqu'un vient m'aider, s'il vous plaît. Vite, vite, vite. Il reste peu de temps. Très peu de temps. Et le temps est écoulé. Bon, allez, on continue pour 3 pommes joyaux. Voilà, on a le bonus. Bon, espérons que ça soit suffisant. Et on va pas faire un super bonus, malheureusement. Cinquante-six mille, on y est presque. Allez, maintenant il faut tout donner. Oui, ça y est, enfin. Enfin, on l'a battu. Ça a été très très compliqué. Mais bon, on y est arrivé. On a quand même remis un petit peu de temps. Juste 3 pommes joyaux de dépenser. C'est pas bien grave, mais au moins, on l'a battu. 2700 XP et une médaille de bronze. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas terrible la médaille de bronze. Mais c'est toujours ça. Voilà. On a vaincu Landia en EX. Et bien voilà. C'est pas mal du tout. Et. Ça veut dire qu'on a battu tous les boss. Eh bien, on va se laisser là pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez les combats avec vos Kirby. Je vous rappelle que vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos amis. Et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, on se refera encore quelques petits combats avec vos Kirby. Et n'hésitez pas à me donner votre code ami pour que je puisse vous inscrire sur la console. Et comme ça, on pourra retrouver vos Kirby dans mes combats. Et c'est quand même plutôt sympa. Dans une prochaine vidéo, on va essayer d'avoir une ou deux médailles de platine en plus. Et ça serait quand même un peu plus cool d'avoir plus de médailles de platine.
Donc voilà, ça c'est fait. Et c'est pas vraiment la fin, parce que on débloque en très difficile. Voilà, on a une nouvelle quête, on débloque en très difficile Suzy Parallèle. Donc ça c'est un nouveau boss qu'on n'a jamais eu. Et on verra dans une prochaine vidéo comment faire pour l'abattre. Donc voilà. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Bye bye!